Kinderjul, scheinende Kinderjul, in Herzen eingekritzt, sennen sie bei mir. In viel sie freunes, kindersche, herrliche Leben in Herz rief bei mir. Wie schön es gewesen, amul in der alter Heim. Mein alter Heim, ich bänd noch dir, mein alter Heim, oi fehlst du mir. Herzig lieben Schein, bist die doch gewein, die Schrinde hat gerät in jeden Winkel. Mein alter Heim, ich bänd noch dir, mein alter Heim, oi fehlst du mir. Herzig lieben Schein, bist die doch gewein, mein alter Heim, oi wir bänd noch dir. Bin Gässerlach, Heiserlach, Stieberlach und Kleiserlach, geklingen hat die jiddische Sprach. Ausgekrümmte Dachalach, Stieberlach mit Lachalach, wer ist denn gewesen, zieh ins Gleich. Mein alter Heim, wie scharf ist dich, mein alter Heim, am Echaie dich. Es lebt in mein Sekunden, a Bild von Kinderjugend, bin in sehr lieber Gitter alter Heim. Mein alter Heim, ich bänd noch dir, mein alter Heim, oi fehlst du mir. Herzig lieben Schein, bist die doch gewein, die Spinne hat gerät in jeden Winkel. Mein alter Heim, wie scharf ist dich, mein alter Heim, am Echaie dich. Es lebt in mein Sekuren, a Bild von Kinderjuren, bin in sehr lieber Gitter alter Heim. Thank you.
Freitagnacht, man sitzt in Tracht, wo so die Welt von uns gemacht, wie mir Sehnen verblonget in der Welt. In Wiegit, sie ist gewesen die alte Tee. Weil Kämel nicht vergessen, mein Mames Schabes Licht, mir Kinder denen gesessen, bei dem Tisch a so schön gedicht. Der Tate macht den Kiddisch, wie süß is, muss ich her. Sie stacke nicht kein Kiddisch, as es fließt von euch a Trär. Wie man hat den Jid vertrieben, nur a Spring gemacht. Bei uns sind die Licht geblieben, wie Stern in der Nacht. Bnei Israel sind mir in wieder Jid verkriecht, vergesst nicht kinderlich. Dort wird ewig scheinen unsere Mames Schabes Licht. Baruch Atu Hashem, Elokeinu Melech Olam, Asher Kiddishonu B'mitzvoiso V'tzivonu Lehadlik Ner Shel HaShabes. Welkein mul nicht vergessen, mein Mames Schabes Licht, mir Kinder sind gesessen, bei dem Tisch a so schön gedicht. Der Tate macht den Kiddisch, wie süß ist, wuss ich her. Sie stacke nicht kein Kiddisch, as es fließt von euch a Trär. Wie man hat dem Jid vertrieben, nur a Spring gemacht. Bei uns sind die Licht verblieben, wie Stern in der Nacht. Bnei Israel sind mir in wieder Jid verkriecht. Dort wird ewig scheinen unsere Mame. Brennt, Bridalach, so brennt, oi, unser Uhren steht, never brennt. Beise Winden mit ihr Gusen reißen, brechen und sie blusen, stärker noch wie Beise Flammen, unser Uhren brennt. Nun ihr steht und ihr kiegt, das oi, sich mit verrenkt hält. Nun ihr steht und ihr kiegt, das oi, sich um. Bridalach, se brennt, oi, unser Uhren steht, never brennt. Es haben schon die Feuerzungen, das ganze Städtler reingeschlungen, und die Beise Winden huschen, unser Städtel brennt. Nun ihr steht und ihr kiegt, das oi, sich mit verlegt hält. Nun ihr steht und ihr kiegt, das oi, sich thank you.
Lachse brennt, der Brida Lachse brennt, die Hilfe ist nur in euch allein gewendet. Ob du Städtli sagst, Teier, nimm die Kehle, lächt du's Feier, lächt mit Eier, Eben Blut, da weißt, dass ihr du's kennt. Städtli, der Brüder, has euch sich mit verlängte Hände. Städtli, der Brüder, lächt das Feuer, und Städtli brennt. Schreien um mein Leuten, keiner will bei mir nicht kaufen, euch gehen will ich musen wie ein Hund. Thank you.
Regen, nass und hingerig wie Hind. Ungeschlagene wie Hind, ungetriebene wie Hind. Halleluja. Hingerig wie Hinten, ungeschlagen wie Hinten.
uns ne Sogen aus diesem letzten Weg. Wenn Himmel in Bleine herrscht, dann blöde Teig. Bei Kiemen wird noch unsere Häus gebänkte schon. Es wird auch heute in unser Tritt mir seinen Durch. Es wird die Morgen sind beleuchten unser Heim. Der schwarze Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Und heu versäumen wird die Sinten dem Kajor. Via Barossol ging das Lied von dort zu dort. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Leid. Es ist nicht ein Lied von Zimmerteigel heute frei. Nur vor davon zwischen Polen die Gewalt. Das Lied gesingen mit Naganes in die Hand. Der Fahrzug käme und als die Geist im letzten Weg. Den Himmeln bleine Farsten blöde Teig. Bei Kiemen wird noch unsere heutige Welt schon. Es wird auch heute unser Tritt hier seinen Tod. Bei Kiemen wird noch unsere heutige Welt schon. Es wird auch heute unser Tritt hier seinen Tod. Ritmek sein Ohren, doch is sehr reich, weil geistige Äußeres oder Ried sehr sach. Der Ried ist geduldig, sein Betochen ist groß. Von abrenne die Neuven, kommt erlebe die Karreus. Mer ruft in den Melech, a jachsen, a gemir, und jedes Land verschließt vor ihm die Tier. Er klagt und er weint, er kennt schon nicht mehr. Ist gemischt mit der Trör. Oi, macht sich am Ort, es geht ihm schon gut, der Mond wenn ihm bald das Riesait. Nun man geht ihm Stecken in der Hand ohne Rücken an der Hand. Und kommt dann ein Jahr alle Völker bis Gott singen und tanzen und werden nach mir. Und hört von seiner Hase.
60 ans, Auschwitz, le principal camp d'extermination nazi, était libéré par l'armée rouge. Marie Liebstadt a passé plusieurs mois dans cet enfer. Les cauchemars la hantent encore à présent, mais le besoin de témoigner reste plus vibrant que jamais. Juif d'origine polonaise, vivant aujourd'hui en Belgique, Abraham Potesman a perdu ses parents, frères et sœurs, dans la Shoah. Il avait 20 ans. Pour la mémoire, et à la demande de son fils, il est retourné dans sa ville natale, au nord de Cracovie. Le musée royal de... Qui ont payé le plus lourd tribut à la barbarie nazie, plus de 3 millions d'entre eux ont disparu dans l'enfer des camps. À Pińczów, près de Cracovie, une ancienne synagogue est devenue un lieu de mémoire, ouvert à tous les cultes. Cette restauration est l'œuvre d'un homme, un rescapé de la Shoah, aujourd'hui établi en Belgique. Un homme qui a longtemps vécu en silence ses souvenirs, jusqu'à ce qu'un jour, son fils lui demande de renouer avec le passé. Un travail de mémoire qui a pris des allures de renaissance et qui laisse penser qu'un seul homme, au-delà de la douleur, peut déplacer des montagnes. Abraham et Sarah Potesman habitent Molenbeek depuis 40 ans. Le parc du Karvelt est le lieu de promenade favori de ce couple tranquille et complice. Ils en connaissent les moindres recoins, au grand plaisir des pigeons. Allez les petits pigeons, venez, venez. Abraham et Sarah sont tous deux des rescapés de la Shoah. Elle a été une enfant cachée en Belgique pendant la guerre. Lui, qui vivait en Pologne, a eu plus de chance que sa famille, décimée comme 3 millions de juifs polonais dans les chambres à gaz d'Auschwitz et de Treblinka. En 1992, 50 ans après le début de cette tragédie, Abraham est retourné dans sa ville natale à la demande express de son fils. Sixième enfant d'une famille qui en comptait huit, Abraham Potesman est né en 1922 à Pińczów, une bourgade rurale au nord de Cracovie. Son père tenait un petit commerce de chaussures, sa mère confectionnait des trousseaux pour jeunes mariés. Le polonais est la langue maternelle d'Abraham, mais dans la vie de tous les jours avec son épouse, c'est généralement en yiddish, la vieille langue des juifs d'Europe centrale, qu'il s'exprime. Il y avait combien d'habitants à Pińczów? Il y a à l'époque 3 000, 4 000. Il y a 5 000. 5 000? 5 000, je crois. Et la communauté juive représentait quelle partie de la population? Il y a 3 500 juifs. 3 500. Comme dans la plupart des localités polonaises de l'époque, la communauté juive de Pińczów comportait de nombreuses associations culturelles, des compagnies théâtrales, des bibliothèques. Les enfants allaient à l'école talmudique pour apprendre la Torah, et la synagogue du Shtetl était un lieu de rassemblement extrêmement vivant. À Pińczów, un vaste cimetière attestait de la longue histoire de la communauté juive locale. En 1934, Abraham déménage avec toute sa famille dans la petite ville de Sosnowiec, en Silésie polonaise, où il s'inscrit à l'école de couture. Tailleur de vêtements pour hommes, tel serait son métier plus tard. Voici une des rares photos d'avant-guerre qu'il a réussi à conserver, la photo de sa classe de couture à Sosnowiec. Le 1er septembre 1939, l'histoire bascule. Les troupes allemandes déferlent sur la Pologne, ravageant tout sur leur passage. Plus de 500 villes et villages sont incendiés, des milliers de civils passés par les armes. 15 jours plus tard, la Pologne est attaquée à l'est par l'armée soviétique. Le pays est décapité. Pour la population juive, c'est l'enfer qui commence. Sehr schlecht.
On prenait les gens juifs déjà pour des travaux obligatoires. On mettait des piquets devant les magasins juifs pour empêcher la population d'y accéder. In wir standen die ganze Nacht noch breit. Et on faisait la file. In der Früh sind doch gegangen polnische Jugend, haben sie gesagt, das ist ein Jude. On faisait la file des nuits entières devant les épiceries pour avoir du pain. Et quand des jeunes gens polonais passaient devant la file et qui reconnaissaient des jeunes gens juifs, on les retirait de la file. Et là, je ne sais pas vers quelle destination. Et comme ça a commencé la persécution. Dès juillet 1941, Himmler, le chef des SS, donne l'ordre de procéder au massacre de masse. Quelques mois plus tard, les premiers camps d'extermination de Sobibor, Belzec et Treblinka sont opérationnels. Le carnage va bientôt commencer. Comme beaucoup de jeunes gens de son âge, Abraham Potesman quitte la maison familiale pour se cacher. Il n'a pas encore 20 ans. Jusqu'à la fin de la guerre, il vivra comme une bête traquée, terrée dans les bois environnants, acculé à mendier sa nourriture auprès des paysans polonais. Alors il a trouvé un fermier qui l'a gardé pour des travaux, mais surtout parce qu'il était tailleur. Il m'a raconté aussi, Abraham, que son métier de tailleur lui a sauvé la vie durant la guerre, parce que raccommoder des vêtements et à la main n'avait pas de prix, parce que évidemment on ne pouvait pas acheter du neuf. Il fallait faire avec du vieux ce qu'on pouvait. Oui, le jour il se cachait dans le toit là, de la grange. Paille, hein? Sur la paille. C'est vrai, hinten, et il y avait des cochons dans le bain. Les cochons mangeaient des pommes de terre. Et il était associé à la nourriture. Des cochons. Des cochons. C'est comme ça qu'il a survécu. Oui, d'endroit en endroit. Oui, oui. Où il était le jour, il n'était pas la nuit. Est-ce qu'il avait des nouvelles de sa famille pendant ce temps-là? J'imagine non. Que non. Rien. Toute la famille d'Abraham, à l'exception d'un de ses frères, a péri à Auschwitz, comme la plupart des Juifs de la petite ville de Sosnowiec. Quant à la communauté juive de Pinchov, elle a été déportée en masse un jour de 1942 vers les chambres à gaz de Treblinka. Ces photos ont été prises clandestinement par un habitant de Pinchov en ce jour tragique. Hommes, femmes et enfants sont acheminés vers la petite gare locale où des wagons à bestiaux les attendent. Destination Treblinka. Alors après la guerre, vous vous êtes retrouvé seul, votre famille avait disparu, sauf un frère. Seul avec mon frère. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Il voulait oublier tout. C'est pour ça qu'il dit qu'il est né encore une fois, parce que faire une croix sur ce dur passé. Aller de l'avant. Aller de l'avant. Reconstruire la vie. Parce que c'est un battant. Et il est resté comme ça. La guerre finie, Abraham se retrouvera d'abord avec d'autres rescapés de la Shoah dans un camp pour personnes déplacées à Landsberg, en Allemagne. Puis, il réussira à gagner l'Italie où, lui a-t-on dit, il lui serait plus facile d'obtenir un visa pour l'étranger. Il y restera néanmoins quelques années pour parfaire sa formation de tailleur et décrocher un diplôme. Qu'est-ce qui vous a amené en Belgique? En Belgique? Abraham dit toujours qu'il est venu me chercher, que quelque chose l'a motivé. L'instinct. Je le trouvais très bien. Alors, vous-même, Madame Potesman, vous avez eu aussi une trajectoire très très difficile pendant tout la guerre. Tout à fait, tout à fait. J'ai été séparée de mes parents. J'ai été cachée à plusieurs endroits. Bon, j'ai eu la chance de survivre grâce à une personne que je voudrais honorer ici, Madame André Gulen, qui
qui s'est consacré corps et âme au sauvetage des enfants juifs. Et j'en suis la preuve vivante puisque je suis une rescapée. J'ai été dans un couvent, j'ai été en privé. Mes parents ont eu aussi la chance de survivre en se cachant, mais ils avaient trop peur de me garder près d'eux. S'ils étaient déportés, au moins que moi je reste. Petite douceur. Toi qui l'as fait ? Oui. Fromage ? Oui. Abraham et Sarah ont reconstruit une famille. Ils ont deux enfants, Hélène et Gérard. Comment tu te sens, papa ? Ça va bien. Oui. Bon appétit, mes enfants. Merci. Ça, c'est de papa et de maman. C'est vrai, elle fait toujours son café trop fort. Trouve pas, toi ? Je pense pas. On voit à travers chez moi. En 1992, Abraham a eu 70 ans. Gérard en avait 25. Un jour, l'idée leur est venue de prendre le train en gare du Midi pour aller ensemble en Pologne. Destination, Pińczów, la ville natale d'Abraham. Ce soir. Je vous ai dit que c'est pas moi qui ai accompagné mon père, mais c'est le contraire. C'est lui qui m'a accompagné. C'est moi qui ai voulu y aller et je l'ai décidé finalement. Oui, il s'est décidé, mais c'est lui qui m'accompagnait. C'était mon initiative, c'est moi qui avais envie de retrouver des racines qui me manquaient probablement. Quelles ont été les premières images marquantes sur place ? Marquantes, c'est mon père aimanté par une boussole intérieure qui retrouve, 62 ans après, les rues et le chemin vers la synagogue, tout de suite, instinctivement. Synagogue en très mauvais état. En très mauvais état, mais on savait qu'elle était encore là et on a franchi le pont, on est arrivé dans la ville même et il a trouvé le chemin tout de suite. Qu'était devenu le cimetière juif de Pińczów ? Il y avait deux cimetières et un est devenu un terrain de football et le second, on n'a pas réussi à le localiser. Inexistant, il ne reste plus rien. Les tombes ? Les tombes, certaines ont été retrouvées, elles avaient été affectées à des routes. On les a retrouvées couvertes de bitume, elles ont dû être exhumées à un moment ou à un autre, et elles ont été érigées le long d'un mur, autour de la synagogue. Autre étape à Pińczów, c'était autre étape importante, c'était l'école de votre papa. C'était très important, ça c'était un moment très crucial et charnière de ce voyage, c'était de revoir ce vieux monsieur qui retourne dans les lieux de son enfance, de le voir au milieu de tous ces petits blonds polonais. Ça m'a vraiment fait quelque chose, dans sa classe, 62 ans plus tard. Et on était là, lui et moi, pour assister à ça, on a été très bien reçus et c'est aussi assez inhabituel de voir un vieux monsieur qui revient du passé comme ça, dire bonjour au présent. Alors vous êtes allé aussi à Sosnowiec, une autre ville polonaise où a vécu votre père et sa famille. Qu'est-ce que vous avez découvert à Sosnowiec ? On a découvert l'appartement où il a habité de 32 à 39, juste avant de quitter ses parents, pour aller se cacher. Et passer la guerre comme il a pu. C'était un moment très important car on a retrouvé l'appartement. Il était vide. Et j'ai non seulement retrouvé l'appartement, mais j'ai retrouvé beaucoup de choses, beaucoup de craintes. J'ai retrouvé l'état de la Pologne actuelle. Tout a été cristallisé dans ce moment-là parce que le propriétaire, en fait, l'appartement est vide, mais on n'a pas pu y accéder. Pourquoi ? Parce que le propriétaire pensait que mon père venait le réclamer, en fait. Et donc la crainte de la restitution. Et aussi, quand on a vu les Polonais, tous les voisins, quand ils voyaient ce vieux monsieur avec ce jeune qui prenait des photos du bâtiment, on a ressenti beaucoup de choses qui remontaient à la surface dans ces quelques minutes. Beaucoup de méfiance, beaucoup de suspicion, beaucoup de points d'interrogation. Que vous avez interprété comment ? Je crois le plus clairement du monde, à savoir que il pensait que ce vieux monsieur, il venait reprendre son bien. Et c'était pas très bien vu. C'était pas le cas, évidemment. C'était pas le cas, parce que ça ne lui appartenait pas. De toute façon, si ça avait été le cas, je crois pas qu'il aurait eu un intérêt quelconque, une envie quelconque de retourner vivre dans une atmosphère pareille.
Alors là, ça c'est Monsieur Goretzky, à Pinchov, en fait, qui a fait ses études avec Abraham et qui a conservé par chance toutes les photos de la vie juive d'avant-guerre dans ce village. Il pense que c'est aussi un miracle. Jan Goretzky pensait aussi que c'était un miracle d'avoir rencontré Abraham, parce qu'il n'a pas vu un juif depuis la fin de la guerre à qui il aurait pu transmettre cet héritage. Quel a été votre sentiment en revoyant toutes ces photos? Votre passé s'est réveillé dans votre esprit? Oui, il a revu tout de suite son passé, ses parents, tout. Et la synagogue, en voyant tout par terre, tout détruit, s'est revu lui-même déjà dans ce cadre. Et il a vu toutes les personnes du village qui y étaient un jour. Et qu'on ne peut pas laisser ça à l'état où il se trouve. Il n'y avait que lui pour faire quelque chose. Ce voyage au bout de son enfance a profondément marqué Abraham Potesman. De fil en aiguille, un projet s'est formé dans son esprit, restaurer coûte que coûte la synagogue de Pinchov pour en faire un lieu de mémoire. À trois reprises, dans les années qui suivirent, il revint sur les lieux pour réaliser un film documentaire sur l'histoire juive de sa ville natale. Le tailleur s'est alors métamorphosé en cinéaste amateur. Mon père avait envie de faire quelque chose pour cette synagogue complètement délabrée. Et il a créé ce film qu'il a commencé à envoyer aux quatre coins du monde. Et effectivement, les choses ont commencé à bouger. Enfin, la synagogue de Pinchov a ressuscité par lui parce qu'il le voulait, en fait. C'était le seul qui avait un intérêt quelconque dans l'histoire. Lui, il voulait que cette synagogue ressuscite. Et il l'a fait revivre. Comme musée, puisqu'il n'y a plus personne pour assister à des offices. C'est vrai, c'est un projet un peu fou, puisque 20. Mais il a le mérite d'exister, et la synagogue en tout cas maintenant elle est bien campée dans le sol, elle est bien enracinée à nouveau. Donc l'idée de départ que vous avez eue en 1992, elle a fait un sacré bout de chemin. Elle a fait un bout de chemin, oui. C'est vrai, c'est une petite graine qui a été plantée, sans même pas dans le but que ça devienne un arbre, mais ça en est devenu, hein, malgré nous. En 1998, sous l'impulsion d'Abraham et grâce aux fonds recueillis à travers le monde, les autorités communales de Pinchov ouvraient le chantier de rénovation. Aujourd'hui, la synagogue a retrouvé son lustre d'antan, non plus comme lieu de culte, mais comme lieu de mémoire ouvert à tous, quelles que soient ses croyances ou ses convictions. Lors de l'inauguration, le 18 mai 1998, et pour la première fois depuis près de 60 ans, la synagogue de Pinchov a retenti de prières en hébreu, en présence de la population, des autorités de la ville et de représentants d'autres religions. Abraham dit toujours de lui qu'il est le dernier des Mohicans. De Pinchov. Du judaïsme. Comment est-ce qu'il réagit aujourd'hui quand il entend qu'en Allemagne, qu'en différents endroits d'Europe, l'antisémitisme, certains mouvements néo-nazis se recréent? Comment est-ce qu'il réagit à ça? Il a très mal, et ce qui lui fait le plus mal, c'est le négationnisme. Qu'il y a des gens qui peuvent encore maintenant dire que tout ça n'a pas existé, que c'est une invention humaine. Comme ça. C'est incroyable. C'est révoltant. Quel serait l'espoir le plus cher au cœur d'Abraham? Ce qu'il voudrait, c'est peut-être que son film se montre dans les établissements scolaires, qu'on montre aux jeunes à quoi l'intolérance peut mener, et que ce soit un outil pédagogique. On a conduit aux chambres à gaz, femmes, enfants, 1,5 million d'enfants, et voilà à quoi l'intolérance mène. Il voudrait lutter contre cela. Shabbat. Agit Shabbat. Shabbat Shalom.
Le jour ne se lève plus à Pinchov, le film d'Abraham Potesman sera projeté fin mai au Musée juif de Belgique dans le cadre de journées pédagogiques destinées aux jeunes publics, et ce, pour que la mémoire se perpétue. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Patrice Goldberg et Matière Grise. Je vous retrouve quant à moi dans 2 semaines. À bientôt.